Et yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve pour le troisième challenge rush de la chaîne YouTube. On est contre le challenge rush des cyborgs. J'ai cru comprendre que pour la plupart d'entre vous c'était le plus difficile. Donc on va se le faire ici en vidéo. On va se le faire avec Vegeta GT, Trunks GT et Rildo, hein. Je prends pas le Goku GT rouge parce que forcément c'est l'un des derniers persos, je sais que certains d'entre vous l'ont pas. Si vous n'avez pas Rildo, essayez de mettre Goku GT rouge. Si vous n'avez pas Goku GT rouge, essayez de mettre la Pan EX rouge, qui peut être une possibilité aussi. Si vous n'avez pas Trunks GT, vous mettez Goku GT. Si vous n'avez pas Vegeta GT, Vegeta GT je pense ça va être le plus compliqué à remplacer en vrai. Je pense que Vegeta GT ça doit être le plus compliqué à remplacer, ouais, parce qu'il n'y a pas d'autres jaunes. Vous pouvez essayer de partir sur un Regen, hein. Vous pouvez essayer de partir sur un Regen dans la team en mode Schnapps ou un personnage film comme vous le sentez, Vegeta God par exemple, ou le... Tiens, le Goku, si vous l'avez, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que ça va être le plus compliqué, si vous n'avez pas Vegeta GT, ça va être le plus dur à remplacer. C'est pas tellement Goku GT le plus dur à remplacer, parce qu'il y a quand même des rouges à mettre à sa place. Ok les gars, deuxième essai avec la team GT, let's go, on va essayer de faire du bon taf là. Alors franchement, le Vegeta GT, c'est un monstre, hein, je vous le dis, dans le run. Même sur le C13 bleu, il met des bons dégâts. Et C13 bleu, c'est vraiment le problème d'ailleurs. Je vous préviens pour vos futurs runs, C13 bleu, c'est vraiment le problème. C'est l'unité qui va vous casser les couilles en face. Donc là, par exemple, si je peux lui placer un bon Rising Rush, compte sur moi. Ah oui, oui, oui. Let's go. Let's go, je pense qu'on peut le tuer là avec le Rising Rush. Vu les dégâts qu'on a mis avec les Kiko avant. Bon, c'est pas le meilleur des Rising Rush avec que des strikes, mais on a quand même une Kiko dedans. Je pense pas qu'on va le tuer. Je pense pas qu'on va le tuer, du coup il va soigner, il va faire son ulti, il peut nous stun, il nous stun, enfin il stun très souvent avec son ulti. Même si c'est que 30%, il stun très souvent quand même, je sais pas pourquoi. Là vous allez voir, il va soigner en fin de combo je pense. Après ça j'imagine du coup. Voilà. Normalement c'est bon. Là on devrait faire super mal avec l'aspect. Nice. On va mettre Puto en cover. Mais d'abord on va esquiver ulti. Relou ça. Réduction du ki en plus là, c'est vraiment bien bien chiant. Cancel. Let's go. Bon, on devrait enfin pouvoir toucher là. Même pas, c'est un clash du coup. Alors les deux autres sont quasiment morts. Hein. Enfin j'abuse un peu pour celle quand même. Il reste pas mal de PV mais... Mais on a bien avancé quoi. Plutôt qu'il met des gifs en Kikoa, c'est beau à voir. Oh là 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 là. Et puis il se soigne à chaque fois qu'il fait ça aussi les gars. C'est pas juste... C'est pas juste le fait que tu touches pas. C'est aussi le fait qu'il se soigne qui est très embêtant. Alors ça c'est pas cool. Ok. Bon, je pense là le Rising Rush on va le garder pour la deuxième barre de vie de Super Saiyan 7 je pense. Ça me semble être le mieux. Bon Puto il lui met vraiment des gifles hein. Il lui met vraiment des gifles Puto. Enfin en soi de toute façon vous mettez des super bons dégâts. Le truc c'est qu'il faut faire attention à pas mourir, c'est surtout ça. Alors on va plutôt donner Trunks GT quand même parce qu'il booste en mourant. Si jamais on meurt hein, c'est pas sûr qu'on meurt déjà. Ça serait bien qu'on meure pas d'ailleurs, comme ça je pourrais mettre le soin. Parfait, let's go. Alors je soigne. Let's go. Là je Rising Rush, il est quand même super rentable celui-ci. C'est quand même bien soigné le sel. On va le tuer comme ça avec le Rising Rush. On l'aurait jamais tué avec un combo classique hein. Donc là au moins c'est bien. Il nous reste plus que deux adversaires. Sachant que le Super Saiyan 7 on peut vraiment le tomber rapidement. Je pense qu'on est pas trop mal. Je pense qu'on est pas trop mal dans ce run là. Ok. Voilà, malheureusement pourtant mon pote Vegeta, tu vas devoir encaisser un peu comme on dit hein. Hop. Le kill ici aussi, impeccable. On va garder la carte verte pour Puto. Dommage mais bon, ça booste les alliés au moins. Ok, normalement ça devrait le faire, hein. Vu le temps qu'il nous reste et tout, ça devrait le faire. Petite carte verte pour avoir un boost. Là il meurt direct.
Alors j'ai l'aspect hein, qui est super intéressante à caler avec Puto, vous le savez. Encore faut-il réussir à la placer. Voilà. Ça va faire très très mal. Parfait. La super saignée en plus de ça. Ah, ça met pas super saignée sur lui. Bon, par contre, ceci, ça met insoignable. On va quand même profiter du Vegeta pour mettre quelques esquives. Par contre, c'est relou que des Kikoa dans la main là. C'est extrêmement chiant même. Bon, on l'a fait esquiver, normalement ça devrait le faire. Non, mais c'est incroyable! Je joue pas un deck 90 Kikoa, je joue un deck, allez, grand max 7 Kikoa, non? Oh là là, il fait mal, hein! Il fait très très mal en Kikoa. Ok, le perfect dodge, et ça passe. Bon, c'était tendu, hein! C'était tendu, mais ça passe quand même bien avec cette team GT, malgré le fait que ça soit tendu. La deuxième team, on va partir sur une team Saga des films, je pense. Ça va être plus dur qu'avec la team GT, je pense. Alors, ça va être plus dur parce que moi, je vais pas prendre le Goku vert. Si je prenais le Goku vert qui a un bonus contre les cyborgs, tu t'en doutes, je les fumerais. Hein. Je les fumerais littéralement, mais bon, là, je sais bien que c'est plus pour ceux qui ont pas le Goku vert que c'est intéressant. Donc, on va partir pour un deuxième run, du coup, avec une team film. Let's go. Nouvelle tentative, les gars, avec la team film. Et franchement, c'est beaucoup, beaucoup plus dur qu'avec la team GT. Pardon, je vais dire cyborg, mais non, GT. Beaucoup plus dur. Alors après, j'essaie de le faire avec des persos quand même pas trop forts pour le run. C'est-à-dire, je prends pas, par exemple, je prends pas ces 13 fusions. Autant dire que ces 13 fusions me seraient d'une grande utilité quand même. Hein. Je vais pas te mentir, je prends pas non plus le Goku Mammouth. J'évite de prendre des persos trop obvious, quoi. Les non-dégâts. Est-ce que vous connaissez les non-dégâts, les mecs? Est-ce que je le Rising Rush? Avec le main pour mettre un peu plus de dégâts, je pense qu'il y a moyen quand même. Enfin, on va pas le tuer. Hein. Attention, je dis pas qu'on va le tuer parce qu'on va clairement pas le tuer. Mais par contre, il y a moyen de mettre des dégâts un peu. Alors vraiment, c'est ces 13 bleus le plus pénible de tous en face. Il a double soin, hein. Il a soin avec son main et il se soigne lorsqu'il est en dernier aussi. Et le bot va avoir fâcheuse tendance à faire en sorte que ça soit lui en dernier. Et quand le bot, généralement, il décide quelque chose, t'as pas trop ton mot à dire, malheureusement. Un peu pénible, d'ailleurs. Alors, cette 13 bleue est quasiment mort, il s'est déjà soigné. Le Super Saiyan 7 est en train de morfler aussi. Même s'il invente des trucs, j'ai l'impression un peu quand même. Et on a quasiment un deuxième Rising Rush. Pour esquiver l'outil. Bah, je peux tout mettre là. Donc on en profite, on met tout. La première barre de vie de Super Saiyan 7 qui va quasiment sauter. Pas loin. Franchement pas loin. C'est lui qui est full life encore. Après celle on peut le tomber tellement rapidement avec Goku. Pas forcément ce qui m'inquiète le plus honnêtement. Ce qui m'inquiète le plus c'est ces 13 bleus moi encore là. Même si on pourrait croire comme ça que c'est terminé hein, pour ces 13 bleus. Parce que c'est vrai que là il est en mode il a 3 HP. Mais en vrai c'est quand même lui qui m'inquiète le plus je pense hein. C'est si jamais il se retrouve en dernier, vous allez voir la violence du perso. Bon, celle devrait être mort là, je pense. Comme je l'ai dit, hein, celle ça peut aller relativement vite. C'est pas le problème, celle. Vraiment, c'est pas le problème. Et, enfin, ceci dit, qu'il soit pas mort, c'est quand même embêtant parce qu'il a sa régène. Oh, je vais réussir à le tuer. Quelle vie. Vas-y, dégage. Voilà, très bien ça, nice. On est bien là. Franchement, là on est bien. On a encore le suicide de Goku pour soigner, etc.
On va faire gaffe au temps quand même. Facteur temps, faut y penser. Bah voilà, en parlant de la mort de Goku, ça devrait arriver. Alors après, il y a des chances qu'on contre, hein, contre les bots du Challenge Rush, vous contrez assez souvent quand même. D'ailleurs, je pense qu'on va contrer là. Mais, ah bah non, on contre pas. Donc ça va booster les alliés. Le problème, c'est qu'on revient sur Broly Rouge. J'aurais bien aimé passer par Bojack de manière directe. Ça aurait été mieux pour moi, mais bon. Enfin, après, Broly, là, tu vois, il fait mal. Il fait très mal, le Broly, là. Est-ce qu'il sort le main en face? Il n'est peut-être pas encore là. Ok. On réduit sa vitesse de pioche en face. Oh là là, mais arrête d'avoir réponse à tout mon pote. Ah malheureusement on n'a pas pioché la dernière boule de cristal, c'est dommage. Ok, elle est là, let's go. C'est parti, donc là j'ai été bien patient comme il faut. Espérons que ça passe et ça m'aura pris beaucoup de runs, hein, de le faire. Mais vraiment beaucoup, hein, genre 8, je crois, 6, entre 6 et 8 je pense. Run pour réussir à le passer avec la team fille, mais ça passe, let's go. Donc beaucoup plus compliqué, bon après là c'est vraiment des persos, genre c'est pas les meilleurs hein, dans la saga des films que vous pouvez prendre. Vraiment Goku Mammouth sera mieux, C13 Fusion sera mieux. Goku jaune, c'est peut-être le meilleur des jaunes quand même que vous pouvez prendre en saga des films, très honnêtement. Après, vous pouvez faire des mix hein, avec Vegeta GT et des personnages saga des films. Vous pouvez tourner autour du Saiyan aussi, ça marche bien. Hein. Vegeta GT reste très très fort pour ce run tout simplement. Du coup, voici pour le Challenge Rush Cyborg tout simplement. Je sais que c'était un Challenge Rush qu'on a embêté plus d'un. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Sachez que ça m'aura pris beaucoup de temps quand même à tourner en tout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les gars. Portez-vous bien, bye bye tout le monde. Ciao, ciao.